Honneur et force. Puisque là, vous régale. Tu peux. Être fier de toi. Qu'elle avait nous écrit. Ne recommence pas. Notre chef te prête. Je veux voir de la force. J'y vais, Rebecca. Tu ne peux pas. Reste allongé. Que se passe-t-il ici? C'est bien toi. Celle de l'ambassade. S'il te plaît, il faut que tu retrouves mon père. J'ai vraiment peur qu'il se fasse tuer au siège des sentinelles. La forêt derrière le village. Tous les autres ont apparemment oublié qu'on n'abandonne jamais l'un des nôtres. Fenira. Si tu dois entraîner l'étrangère là-dedans, raconte-lui au moins ce qui s'est passé. C'est Garoka qui l'a mutilé. C'était un accident. Comment est-ce que ton père t'a accidentellement poignardé? Depuis quelque temps, il sort du village en cachette pour aller chasser seul au siège. Parfois, il part des jours entiers. Alors cette fois, je l'ai suivi jusqu'à son camp de chasse. J'ai tenté de le convaincre de rentrer. Ça s'est un peu envenimé. Et à un moment, dans tout ce tumulte, son couteau. Il était déjà parti quand je suis tombée. Tu te serais vidé de ton sang si je n'étais pas venue te chercher. Tout ça n'a vraiment aucun sens. La façon dont il m'a regardée. Si je n'étais qu'une étrangère. Peut-être qu'il est temps de reconnaître... Il va bien! Il faut qu'il aille bien. Je ne peux rien promettre, mais je vais essayer de le trouver. Au moins pour voir s'il va bien. Où est son camp de chasse? Au sud-est d'ici. Merci beaucoup. Voilà qui est fait. Maintenant, tu dois te reposer. Les moments sont trop faciles. Chaque bataille apporte son lot. Ne pleure pas avec moi. Bienvenue. Ah, l'étrangère en vadrouille. Viens faire appel. Puisque le désert rencontre, j'ai bien battu. Voilà la guerrière Nora. Vu que tu n'as jamais mis les pieds sans ces pillards dont tu parles. Des partisans de Regala qui ont été pourchassés ici. Beaucoup ont combattu à mort. Mais certains avaient d'autres ambitions. Ils se sont échappés et ont pillé Rivemer. Puis ils ont été vus en mer, vers l'ouest. Les pillards se sont enfuis en mer? On pense que c'est pour ça qu'ils ont pillé la colonie. Ils ont construit un bateau plat, avec des bouts de bois attachés. Un radeau? Je ne voudrais pas prendre la mer là-dessus.
Mais c'était apparemment le plan des pillards. Ils ont tué nos gardes endormis, ont volé des provisions et ont embarqué vers l'ouest. Vous avez peur qu'ils reviennent ici ? Ils finiront par être à court de provisions. Ils n'ont pas hésité à massacrer nos gardes pour en avoir. Les gens d'ici veulent la justice. Ils ne l'auront pas tant que ces fugitifs seront en liberté. Si les pillards sont partis en mer, je ne vois pas comment je pourrais les suivre. Ils ont pu s'enfuir. Pour l'instant. Ces glyphes, c'est du Karja. C'est sûrement le maréchal Fachav qui les a écrits. Honneur et foi. On dirait que les Galaï ne prennent ni comme lui. Salutations, Galaï. Marche parmi nous. Sois la bienvenue. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hé ! Je pourrais avoir une minute pour pleurer, mon ami ! Regala va massacrer ma tribu pour renverser Ekaro, les Zénith ont Beta et Gaïa ! On ne peut pas rester là, pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein ? Affronter tous les rebelles de Regala, c'est ça ? Sans oublier les Zéniths, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Se jeter contre leur base ? Quelque chose du genre. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allés ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu ? L'enregistrement sur le focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Eric... Les Zéniths traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégé aux Gémeaux, il savait où on était. Et quand... Varl a voulu les arrêter... Ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des Zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux ? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va affronter les Zéniths. Pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord... on va arrêter Regala. Comment ? Aux Gémeaux, Beta m'a offert... un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Regala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège Ekaro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guident ton arme. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Et quand tu seras prête,
Retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerais te parler en privé. Même aux heures les plus sombres, tu es comme la flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zénith ? Oh que oui. Bien. Avant de me lancer dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. Tout va bien se passer. T'es occupée ? Je me change les idées avec mes études. J'en ai besoin après le creuset Gémeaux. Varl, Beta, Gaïa... Parti. Et ce n'est que le début. Les Zéniths veulent aussi s'emparer de notre avenir. Pas question de les laisser faire. Oh. Et... si tu as un moment, j'aurai besoin de ton aide pour quelque chose. Tu as dit que tu avais besoin d'aide pour quelque chose ? Oui. Alors, quand je parcourais en long et en large les données de la serre, j'ai trouvé des références à un système de l'ancien monde dans le Grand Delta. Il s'appelle Léviathan. Mon peuple l'a découvert il y a des décennies. Il s'agit d'un vaste réseau de vannes et d'un labyrinthe de tunnels souterrains. L'héritage a révélé que les anciens l'utilisaient pour contrôler les inondations. Mais... Nous n'y sommes jamais arrivés. Tout a l'air désactivé. Mais les données de la serre mentionnent le centre de recherche dans lequel Léviathan a été créé. C'est à San Francisco. Un autre bâtiment de Pharo ? Non. Léviathan était un projet d'Eline Sasaki. Une autre ancêtre. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit l'héritage. Si on arrive à mettre la main sur ces données, on pourra peut-être réparer le système dans le Grand Delta. Chaque année, ma sœur est terrifiée au début de la longue averse. Avec Léviathan, elle n'aurait plus rien à craindre. D'accord. Et dans quelle zone de San Francisco se trouve ce centre ? C'est le problème. Les données ne l'indiquent pas précisément. Cela dit, l'un de nos devins est allé explorer les ruines. Il le sait peut-être. Tu viens avec moi ? J'ai bien peur qu'au vu de l'emplacement de ce bâtiment, tu es bien meilleur que moi pour combattre les machines. Bien sûr. Je te préviens dès que je suis à Vivterre. Merci, Aloy. Tilda, Beta m'en avait parlé. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Et elle a dit pourquoi ? Elle connaissait Elisabeth. Elle a l'air de penser qu'elle lui rend hommage en m'apportant son aide. Elle était d'accord pour dire tout ce qu'elle savait sur les plans de Silence et les autres Zéniths. Mais tu ne lui fais quand même pas confiance. Là d'où je viens, plus le savoir partagé est précieux, plus le prix demandé est élevé. Je serai prudente à ta place, Aloy. D'autres données intéressantes ? Il n'y a que ça. J'ai tellement de choses à étudier. Des années de travail. Moi, je m'intéresse particulièrement à l'Odyssée. Nous savions que les ancêtres étaient allés sur la Lune. En fait, on supposait que certains s'y étaient installés. Mais Sirius est beaucoup plus éloigné. Et dire que nous pensions que traverser l'océan serait un exploit insurmontable. Tous ces calculs qu'il a fallu pour voyager dans l'espace, j'ai la tête qui tourne quand j'y pense. Et pourtant, les Quen sont plutôt en avance sur les autres tribus dans ce domaine. D'où je viens, les gens pensaient que les étoiles étaient des étincelles d'un brasier allumé par la déesse pour nous guider dans la nuit. Et donc, tu ne connais aucune de ces tribus ? Non, mais je les ai étudiées. Celle qui me fascine le plus pour l'instant, c'est les Ténac. Une culture entière basée sur les hologrammes d'un musée ancien. Ils ont fait beaucoup d'erreurs d'interprétation, un petit peu comme les Quen. Tout de même, il y a de la noblesse dans ce qu'ils sont devenus. Ils sont honorables et téméraires. Et dangereux. Tu tiens le coup, toi ? La perte de Varl pèse sur l'esprit de chacun. Je le connaissais très peu, mais je vois bien à quel point il comptait pour les autres. Ce sont Zo et Erend qui ont l'air d'en souffrir le plus. Mais je ne sais pas vraiment quoi leur dire. Ils ont besoin d'un peu de temps. Et toi alors ? Le temps guérira tes blessures ? Je ne sais pas.
J'essaie de pas y penser. Tu as déjà parlé à Zo ? Un petit peu. Mais je l'ai entendu chanter avec Varl, il y a pas si longtemps. Je crois qu'ils ne m'ont pas vue. Zo semblait si... libre quand elle l'a fait. Un peu comme si... toutes ses émotions prenaient leur envol en chanson. Et ça semblait la rendre heureuse. Je me suis sentie si bête et nerveuse en comparaison. Tu devrais lui demander de t'en dire plus. Sur la musique ou ta roue. Peut-être. Je crois que tout le monde est prêt à aller combattre l'ennemi. Kotalo plus que les autres. Si j'étais cette Regala, je ne voudrais pas le croiser sur le champ de bataille. Regala possède encore de très nombreuses machines. C'est là que tu interviens, je suppose. Si mon plan fonctionne. Je vais devoir y aller. Tu partiras à mon signal, d'accord ? Je serai à la hauteur. Je sais. Et, comme je te l'ai dit, je te préviens dès que j'arrive à Vivter. On va trouver ces données. Je te remercie. Je pensais que t'étais parti chasser du Tenak. Je voulais savoir comment tu allais, d'abord. T'en fais pas pour moi. Tu sais, je tiens le coup comme je peux, comme tous les autres d'ailleurs. Je serai là quand t'auras besoin de moi. J'en ai jamais douté. Oh. Bien. Ravi de te revoir. Moi aussi. Je sais que tu es impatient, mais... tu vas devoir attendre encore un peu. Va accomplir ce que tu dois accomplir, mais... tu tiens le coup ? C'est pas juste Varl, compère. Beta n'est plus là. J'ai failli devenir fou quand j'ai appris que Derval avait capturé ma sœur dans les Lyum. Je vais la récupérer. Et c'est tout ce qui compte. Je comprends. Est-ce que... Zo va tenir le coup ? Je crois que personne ne peut aller bien après avoir perdu l'être aimé. Mais je peux te dire qu'elle gère les choses bien mieux que moi. Ça nous donne du courage à tous. Quelqu'un a déjà goûté la bière que tu as apportée ? Zo ne supporte pas l'odeur. Pour Alva, je pense pas qu'elle sache vraiment ce que faire une pause veut dire. Mais Kotalo, alors ? Ah, ça, c'est un homme qui sait comment boire. On a vidé la moitié d'un fût, et on a bien causé. Enfin, je crois. Je dois m'en aller. Tu ferais mieux de t'activer avant que Kotalo n'essaie de vaincre toute l'armée de Regala à lui tout seul. Et rends-moi un service. Tâche de pas te volatiliser cette fois. Je ferai de mon mieux. Par ici, à l'œil. On venait souvent ici pour s'occuper du jardin. Parfois, c'était juste pour souffler. Et d'autres fois, on s'asseyait devant le lever du soleil. Alors, quand on est revenu des Gémeaux, je me suis dit qu'il devrait reposer ici. Maintenant, il peut admirer Mélopée autant qu'il veut et... et plus à l'est, les terres sacrées des Nora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur, Vala. Il m'a dit qu'elle aimait aller cueillir des fleurs dorées pour
pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile, mais Vala était têtue. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai retrouvé la fleur. Et récupéré ses graines. J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux. Au lieu de ça, un jour, j'amènerai notre enfant ici. On s'assiera près des fleurs. Pour le lever du soleil. Je n'ai jamais pu lui dire. Le remercier. De m'avoir sauvé, bien sûr. Mais aussi de m'avoir autant soutenu. Il le savait. Adieu, Varl. Je promets de m'occuper d'eux. Je vais essayer de repasser dès que possible. Mais pour l'instant, je dois rejoindre le terminal de fabrication pour installer le nouveau piratage sur ma lance. Puis je l'utiliserai sur une aile des lions, et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais. Piratage installé. Il me faut une aide des lions maintenant. Je crois qu'il y a un nid en haut de la montagne. Va voir, Varl. On va se les faire si t'arrêtes l'espace. Bon, il faut que je trouve une aile des lions à pirater. Je devrais grimper la montagne.
Bien. Il y a des ailes des lions là-haut. Je vais devoir les approcher discrètement. On dirait que ces ailes peuvent refléter le soleil. Et j'imagine qu'ils doivent aller vite. Alors il faut que tu récupères une batterie sur l'un des anciens titans Horus. Mais d'abord, tu dois envoyer une impulsion pour les activer. Je t'ai envoyé le logiciel nécessaire. Pour le déployer, tu vas devoir pirater une des machines de communication que tu appelles Grand Coup. Il y en a un au milieu du désert qui devrait faire l'affaire. Je m'en charge. Voilà le grand coup. Je dois me placer sur sa tête. Maintenant, comment je fais pour atterrir ? J'y suis. C'est bon, Tilda. J'ai piraté le grand coup. Bien. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit, je veux aider.
Voilà la batterie. Le dos de ce titan. J'ai la batterie. Robot scan. L'impulsion du grand coup devrait avoir réactivé toutes les batteries de la région. Je devrais pouvoir en récupérer d'autres si je croise d'autres Horus. Être utile, une fois que je me serai occupé de là. L'espoir revient. À l'attaque! Genoux maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me donner. Elles sont mortes! Les machines! Toutes mortes, il en reste pas une! Quoi? Mais comment est-ce possible? Régala! Le sang a assez coulé. On va régler ça, toi et moi. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand j'en aurai fini avec toi, je pourrai terminer ce massacre. Compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. Une légende, tu survivras. Ah!
D'accord, c'est comme ça que tu veux la jouer. C'est ici que tout s'achève. Oui, tu l'as dit. Je graverai mon histoire. Le câble ne s'accrochera pas. Qu'est-ce qu'il me fallait? Je suis comme ça, avant de prendre ton corps sans vie, un arbre. Je teinterai ce sol sacré de...
mal à te battre. J'ai déjà vaincu trois masques de... Et ça recommence. Me voilà à genoux devant ces lèches-bottes et ces lâches. Allez-y, finissez-en avec moi. Cesse de caqueter, traîtresse. C'est toi qui as volé sur les ailes d'Edis. C'est toi qui l'as défié par nos traditions. Tu dois décider de son sort. Je l'ai déjà épargné. Et cela ne nous a pas réussi. Dire que c'était ma meilleure maréchale. Quel gâchis. Elle est clairement dangereuse. Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Bande de lâches! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer? Nous décidons de ton sort. Ce n'est pas à moi de pardonner tes crimes. Mais un autre combat arrive. Contre un ennemi bien plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai besoin de soldats. D'une escouade. Qui sera prête à se battre jusqu'au bout. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. La bataille dont je te parle sera un véritable cauchemar. Une mort bien plus glorieuse. Ouais, ouais. Mon sang est à toi. Tes ennemis seront les miens. Rejoins-nous à notre bastion, dans les montagnes, près de Mélopée. Tu veux y envoyer toute seule? Sans même une garde armée? Elle n'en a pas besoin. Je t'y retrouverai. Tu as ma parole. Bien, je compte sur toi. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux, dans la salle du trône. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Regala. Alors, parle. Non, ce n'est que pour elle. De la part d'un ami commun. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-nous. Placez-le avec les autres soldats de Regala. Nous nous retrouverons à la base. Tu as sauvé la tribu. À mon tour, laisse-moi t'aider. Non. Sans Regala... Vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez. Mettez-vous à la tâche. Alors, laisse-moi au moins te donner ceci. Une armure pour la bataille à venir. Qu'elle te protège. Merci. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Ah, moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence. Je te félicite pour cette victoire. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non,
Je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zéniths. Oh, Aloy, tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons. Plus que toi, qui te terre dans je ne sais quelle cachette. Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterais tes conditions? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. Les monts à l'ouest de Mélopée. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Tilda, tu es là? J'ai réussi. Silence est d'accord. Rendez-vous à ma base. Impressionnant. Je te rejoins dès que possible. Maintenant que je peux voler, je devrais voir ce que je peux faire d'autre avant de rentrer. Je peux te poser une question? Bien sûr. J'ai apporté d'autres voix pour ta collection. Une autre chance d'en apprendre plus sur cette guerre. Dis-moi quand tu seras prête à commercer pour ces voix. Les nouvelles voies que j'ai trouvées vont... Je ne sais pas grand-chose de cette... Donc tout ce que je peux apprendre... Je vais voir si le signal mène vers un autre enregistrement. Il faut nous serrer les coudes pour arrêter les gars-là. J'avais besoin d'entraînement. Ma lame n'est pas aussi rapide que je l'ai. Tiens-toi donc. Alors, à l'œil, je vois que tu as un autre exploit à ton actif. Et je devine à ton regard que tu ne comptes pas t'arrêter là. Non, c'est vrai. Est-ce que t'as besoin de quoi que ce soit? Nous t'aiderons au mieux. Après tout ce qui vous est arrivé, Ekaro aura bien besoin de vous pour l'aider à garantir la paix. Pas seulement entre les clans, mais aussi avec les Karja. C'est d'accord. Tu as ma parole. Et jusqu'à mon dernier souffle, je m'assurerai que la tribu se souvienne de tout ce que tu as fait. Sous le règne oui. d'Ekaro, le Bosquet est revenu à la vie. Alors, il va bien? C'est un trait. La flamme du désert vole désormais sur les ailes des 10. C'est vraiment incroyable. Je croyais que tu voulais rester neutre. Je me suis dit que si tu pensais qu'Ekaro était digne de ton intérêt, il était aussi digne du mien. Tu m'honores. L'honneur est pour moi. J'ai demandé au chapelain comment les fous volaient sur leurs ailes de métal. Est-ce qu'ils avaient apprivoisé les machines, comme les rebelles? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ateka, je pensais bien te trouver là. Bien sûr. Le clan de la plaine est venu pour se défendre aujourd'hui. Et comme le jour où Ekaro a conquis le Bosquet, nous sommes victorieux. J'ai vu la même chose dans son regard qu'à l'époque. L'espoir qui renaît. Son projet va pouvoir perdurer. Il aura besoin de votre soutien, je pense. Et il va en profiter. Je te remercie pour tout, Aloy. Il n'a aucune chance de gagner les deux autres insignes. Il va essayer. Voilà comment les ailes des 10 nous ont trouvés à temps pour éviter le pire. Je n'ai vraiment rien d'une légende vivante, Jetaka. Peut-être, mais nous te serons toujours redevables. Que je suis congé, je vais au Bosquet pour les voir de mes propres yeux. La brigeuse de mur qui vole sur les ailes des 10. Ça en fait de nombreux exploits, pas vrai? Je vais commencer ici et je pense que je vais demander à rejoindre la garde du chef. Pourquoi? Avec tout ce qui s'est passé. Voici venir. C'est vrai que tu as sauvé Ekaro? La bataille signe le début de la paix. Championne.
Va, avec honneur. Les visions se sont renouvelées. Profitons de leur bon boulot dans la zone de chasse. Que je les ascenseurs géants de Méridien sont transitoires. Et alors ? Imagine de quoi d'autre ils sont capables. Ils pourraient construire. Championne, je crains qu'on ait à nouveau besoin de ta force et de ta générosité. Dis-lui clairement, Ducar. La tribu a besoin de la reine. Elle est notre seul espoir de pouvoir la rouvrir. Vous avez besoin de la reine ? Mais le coulroute est fini. C'est vrai, mais. La reine nous sert également à remonter le moral de la tribu. On l'utilise pour s'entraîner. On y rassemble des machines pour que nos soldats puissent vivre l'intensité du combat dans un espace contrôlé. Ce qui, bien sûr, leur remonte le moral. Mais le chef Ekaro ne nous laissera pas rouvrir la reine tant que la balise qui la protège ne sera pas réparée. On s'en sert quand une machine est incontrôlable. Elle a été endommagée pendant le coulroute. Les pièces qu'il nous faut sont très difficiles à trouver. J'ai compris. Vous voulez que j'aille chasser des machines pour récupérer ces pièces ? Quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais toutes les escouades du Bosquet sont en alerte. Bien sûr, il y aura une compensation. Pas vrai, Kala ? Bien sûr. Une fois que la reine aura réouvert ses portes, on serait honoré de t'inviter à y combattre. Une grande variété de machines sera disponible. Et je te récompenserai pour tes victoires. Pas seulement celles dans l'arène, également celles obtenues dans les zones de chasse. Tu pourras échanger tes médailles contre les meilleurs équipements de la tribu. Pour réparer la baliste, il nous faut un tendon de gyrodorse, ainsi que des défenses de fouisseurs. Ces deux types de machines ont été signalés près d'un feu de camp au sud-est. Tu peux me rapporter les pièces ici, quand tu auras terminé. D'accord. Je verrai ce que je peux faire. Encore une chose. Si tu retournes dans les terres sauvages, j'ai un autre service à te demander pour le moral des soldats. Une tâche regrettable. Chaque soldat Ténac porte une plaque gravée du symbole de son escouade. Mais les rebelles gardent les plaques des soldats qu'ils ont tués. Malgré la défaite de Regala, ses partisans n'ont pas abandonné cette pratique. Tu pourras trouver ces plaques dans tous les avant-postes ennemis. Si tu en vois, rapporte-les-moi. Je veillerai à ce qu'on les donne aux coéquipiers et aux familles des soldats. Avoir une preuve peut les aider à faire leur deuil. Et il y a des primes à récupérer, au cas où ça t'intéresse. J'ai déjà trouvé ce type de plaque. Tiens, en récompense de tes efforts. Mais ne baisse pas la garde. Il y a bien d'autres avant-postes dans les terres sauvages. Merci, championne. Et n'oublie pas les pièces pour la baliste. Ça fait beaucoup de dégâts par ici. Ouais, ça reste un demi-garde. J'espère que tu trouveras les pièces pour la baliste. Ça va être trop. On pourrait même aller voir des combats à l'arène. T'imagines ? Je dois partir au sud-est pour trouver ce gyrodorse. J'ai déjà assez de défense de fouisseur sur moi. J'ai entendu parler de toi, étrangère. Je dois avoir besoin de convaincu. Leur machine. J'ai entendu dire que la championne de Ténac. Aloy, la championne de Ténac. Ben oui, parce que ça a si bien fini la dernière.